On va se reposer un petit brin, mon François, là. Oh, ça y a pas fait mal, hein? Ben non. Et j'ai eu peur, je suis content. Viens-t'en, grand-papa, je suis pas fatiguée, moi. Oui, mais je suis plus une jeunesse, moi. Mon âge, tu sais, on a moins le goût de courir après les papillons. Youp! Tu dis juste ça parce que je cours plus vite que toi. Grand-papa? Oui? Grand-papa, tu veux-tu on va jouer à mon jeu que j'ai inventé? Oh, ça aussi pour inventer tes champions. Tu vois, mais ça, t'as pas besoin de courir. Mon petit snoroute. OK, ça s'appelle regarder dans la tête d'un autre. Hein? C'est facile comme rien. On fait un échange. Tu prends ma tête, puis là, moi, je prends la tienne. Ça prête tonnerre. François, pas un mot de chat à ta grand-mère, hein? Promis. T'es bien plus pesante que la mienne. Je t'ai dit que t'aimes ça, les étoiles. Grand-papa, c'est-tu toujours la nuit comme ça dans ta tête? Espèce de pitonneux. Oh, puis tu veux inventer des machines. Puis vive vieux. On dirait qu'il y a une grande maison là-bas. C'est quoi, ça? Mais François, mon petit vieux, mais qu'est-ce que t'as? Une tristesse? Non, c'est toi qui es toujours triste dans ta tête, c'est toi. Les enfants, le souper est prêt. Charles, François. Vite, ma grande ours. Ça fait drôle d'avoir des cheveux blancs. Pour génie. François a pris sa décision. Charles lui veut pas entendre raison. Il me semble qu'il n'y a pas rien que les mathématiques dans la vie. Ça me fait tellement mal de les voir comme ça.
te sens loin, on dirait que je rêve en plein jour. Quand tu es triste, je me sens mal pendant des jours. Quand tu es dur avec moi, tu me fais mal au cœur, nuit et jour. Non, c'est quand tu es dur avec moi, j'ai mal au cœur, nuit et jour. Marie, viens voir. C'est-tu à ton goût? Oh, mon Dieu, que j'ai des papillons. T'es comme une étoile pour lui. Il t'aime en silence, comme moi. Quand je te sens loin, on dirait que je rêve en plein jour. Quand tu es triste, je me sens mal pendant des jours. Quand tu es dur avec moi, j'ai mal au cœur. Nuit et jour. François, il y a la vie à parfaire, on appelle ça l'amour. Il y a l'amour qui se défait, on appelle ça la mort. Il y a la mort à refaire, on appelle ça la vie. M'aimes-tu comme être humain sur la terre? Dis-moi, beau génie, comme quand j'étais petit. J'ai peur des mots qui nous serrent dans leurs bras. J'ai l'enfance de travers dans la gorge. J'ai peur, Charles. Je suis là. Je vais te vendre ça. Moi, cette maison-là, ça sera pas une traînerie. Je vais te faire du thé, veux-tu? Ça va te réchauffer. Oh, Dieu, Charles. Oui, ma cheville. Maudit hiver, maudit pays. Charles, arrête pas de bougonner. Il est pire qu'un enfant. Nous l'avons rendu en prison, qui dit. Là, ça y est. On est des vrais vieux. Puis des vieux, on sait pas quoi faire avec ça. C'est un paquet de problèmes. François est une vraie soie, une chance qu'on l'a. Et mon Dieu, que je m'ennuie donc de mon vieux chez nous. François, est-ce qu'on arrête d'aimer la terre en mourant?
mourir quand on veut mourir, dans la belle paix du cœur entier. Je les sais par cœur, mes étoiles. J'aime ça, ton histoire de ta maison, là où on pourrait aller mourir. Quand on veut. On a droit à ça, il me semble. Dans une grande maison, dans les arbres, hein? Je pense que j'aime trop les arbres pour leur faire ça. Ouais. Oublie pas l'allée en face du mouroir. C'est là que le grand calme se fait quand t'arrives. C'est là que le cœur se détache du cœur. T'as une petite chambre à toi. Puis là, tu t'endors tranquillement. Un soir, ils te mettent quelque chose dans ta soupe. J'aimerais mieux dans mon jean. Bon après-midi, mesdames, messieurs. À l'émission Le Grand Âge, aujourd'hui, une belle surprise. 200 ans de vécu avec deux hommes de cœur. En effet, il nous fait grand plaisir d'accueillir ici, sur ce plateau, deux centenaires. Inutile de vous dire que c'est une première à la télévision et que j'en suis très heureuse. Bienvenue, messieurs. Et je vous pose tout de suite la grande question, parce que je suis curieuse, la question classique. Y a-t-il un secret pour rester jeune? Vous allez vivre vieille, madame. Ah oui? Parce que c'est ça le secret. Il faut être curieux de tout, vouloir tout comprendre, même si on ne peut pas tout comprendre. On n'a plus besoin d'échanger nos têtes. Je me suis dépêché de te rejoindre, de te ressembler. Mais j'espère que tes étoiles ont un secret, Charles. Penses-tu qu'on continue d'aimer la Terre en mourant ?